La plaque dentaire est une fine couche de débris alimentaire et de salive qui vient se déposer sur la surface des dents après chaque repas. Quand elle n'est pas éliminée par un brossage correct, les bactéries naturellement présentes dans la bouche s'y logent pour se nourrir, produisant ainsi des excréments acides qui détruisent l'émail et favorisent l'inflammation des gencives. De plus, quand plusieurs couches de plaques se superposent, elles peuvent durcir et se transformer en tarte, impossible alors à éliminer par un simple brossage. Pour éviter tout cela et préserver votre santé bucco-dentaire ainsi que la blancheur naturelle de vos dents, voici un mélange très simple à préparer mais doté d'une efficacité redoutable contre la plaque dentaire. Pour préparer ce mélange, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Dans un bocal, mélangez soigneusement tous les ingrédients, puis appliquez un peu de ce mélange sur votre brosse à dents et utilisez-la pour vous brosser soigneusement les dents pendant 4 minutes. Rincez-vous à l'eau claire. Répétez le même procédé, une fois par semaine pendant un mois pour éliminer complètement la plaque et redonner à vos dents leur éclat naturel. Le bicarbonate de soude est une poudre blanche très connue pour ses multiples vertus et usages. Dans le domaine de la santé bucco-dentaire, son efficacité a été maintes fois prouvée. Grâce à ses cristaux, il nettoie efficacement les dents et en élimine les dépôts. De plus, ses propriétés antibactériennes neutralisent l'action des bactéries pathogènes dans la bouche, réduisant ainsi les risques de caries et d'inflammation des gencives. Son effet désodorisant élimine les mauvaises odeurs et rafraîchit la laine, et son action blanchissante dissout les taches sur les dents, leur permettant ainsi de retrouver leur blancheur et leur éclat naturel. Cependant, en raison de son caractère abrasif, il est conseillé de ne pas utiliser